Allongé, avec de sucre. Ce que j'aime surtout dans le café, c'est le rituel social qui l'accompagne. Un café, c'est avant tout un moment d'échange et de partage entre collègues. Un esprit analytique, des mains opérationnelles et multitâches. Le tout avec un tempérament de taureau, mais arrondi de douceur. C'est la campagne qu'on a menée actuellement dans le cadre du changement de nom du groupe Factum, qui a fait l'acquisition de deux entreprises avec des cœurs de métier complètement différents, pour lesquels on a dû revoir le business model et la proposition de valeur, son identité, définir la mission, les valeurs de l'entreprise et le discours qui va autour de la marque. Pour les impacts externes, je vous propose de reprendre un café d'ici 6 mois quand on aura les premières retombées. Pour les impacts internes, ce qui a été intéressant, c'est cette conduite du changement dans le cadre de la création de cette nouvelle identité lors de cette fusion, avec un plan de communication massif, beaucoup d'explications, de pédagogie, d'échecs parfois, de rebondissements, qui a permis de transformer nos collaborateurs en ambassadeurs de cette nouvelle marque.